Depuis 1882, au sein du Palais du Louvre, l'écueil du Louvre accueille les futures générations de conservateurs, de commissaires-priseurs et de médiateurs qui y suivent un enseignement d'archéologie, d'histoire de l'art et des civilisations, d'épigraphie et de muséologie. Depuis 1921, cet enseignement est également ouvert à des auditeurs libres. En complément de cette programmation annuelle, l'École du Louvre organise des cycles thématiques. Sept cycles de 5 cours chacun seront organisés à l'École du Louvre du 20 juin au 30 juillet. Et pour la première fois cet été, cette programmation sera également disponible sur le campus numérique de l'école en ligne. Que vous soyez passionné par le Rajasthan ou par l'Hôtel des Invalides, que vous adoriez le pastel ou bien encore la photographie, que vous éprouviez une grande admiration pour Van Eyck, pour Dürer ou encore pour Goya, vous trouverez certainement dans notre programmation de quoi satisfaire votre curiosité et votre désir d'apprendre. Allez, je vous emmène. Bienvenue dans cet amphithéâtre dans lequel auront lieu les cours d'été. La programmation de cet été a suivi 3 axes. Le premier axe est la fidélité à la diversité et à la variété des enseignements dispensés à l'École du Louvre. Le deuxième axe est la volonté de vous faire découvrir des sujets plus insolites, comme par exemple la découverte des salles de spectacle parisiennes au XXe siècle, ou encore la découverte des escaliers d'apparat de ces demeures princières en Europe au XVIIIe siècle. Enfin, nous vous proposerons de nous suivre à la découverte de ces artistes des pays du Nord, tels que Van Eyck ou encore Dürer, ou ces artistes danois, suédois, finlandais, qui au XIXe siècle ont contribué à faire connaître l'existence de la scène artistique de leur pays d'origine. J'espère que vous prendrez un grand plaisir à découvrir cette programmation qui a été conçue avec la collaboration de 30 spécialistes qui nous ont fait l'honneur de participer à cette édition. À très bientôt !